総理大臣をお致しておりました菅直人です。今回第3回韓国世界社会フォーラムにご招待をいただきまして大変光栄に思っております。私はこの福島原発事故が起きるまでは日本の輸出水準はかなり高いのでチェルノブイリのような事故は起こさないで済む、このように考えておりました。しかし実際に福島原発事故が起きてその対応に当たる中で私の考え方が全く間違っていたということを強く思い知らされました。L'invitation de Independent ou Santé Nucléaire, donc est une association, un collectif en fait d'associations qui pendant 10 ans a été présent tous les jours ouvrables de 8h à 18h devant l'OMS pour dénoncer au quotidien et devant tous les gens qui travaillent à l'OMS que l'Organisation mondiale de la santé ne remplissait pas sa mission de protection des populations victimes des contaminations radioactives. Donc on tenait aussi à inviter Annie Thébomoni sur la question donc de la santé et des travailleurs, parce que c'est au fond le sujet le plus tabou, on va dire, et en même temps c'est probablement là que si quelque chose doit bouger réellement en France, probablement partout ailleurs, mais notamment en France, ce sera de ce côté-là. Et donc ça va être la démonstration que va faire Annie. Dans l'esprit, un forum social mondial antinucléaire est là pour donner des perspectives. Donc notre temps... Oui. Mais là, je crois qu'il n'y en a pas. Ah si. Il n'y a pas d'interprète. Ah, d'accord. Ok. Donc, alors, c'est, oui, mais dis-le en japonais. Alors, je finis ma présentation. Donc, nous allons avoir un invité qui vient du Japon et qui va donc introduire l'atelier. Oui, ce que je voulais dire, c'est que le Forum social mondial antinucléaire a pour fonction de dégager des pistes de combat, des pistes d'action. Il n'a pas vocation à simplement ce qu'on se parle et qu'on entende des conférences. Donc l'idée de la dynamique est essentielle. On doit se quitter demain avec des perspectives. Voilà, en tout cas, c'est l'état d'esprit de cet atelier. Voilà. Donc, je vais passer la parole à la traductrice japonaise qui va dire en japonais, non pas ce que je viens de dire, mais que les Japonais vont pouvoir se regrouper là avec elle et qu'elle fera la traduction en direct pour les Japonais. Donc, je lui passe la parole. すみません、日本語の通訳が必要な方は、今、ナスビさんの発表は日本語なのでいいんですけど、その後の、通訳っていうか、日本語の通訳をそこら辺に、固まっていただけると、そっちでやりたいと思うんですが、必要な方はちょっとその、この辺りに移動してもらえますでしょうか。最初のプレゼンテーション、ナスビさんのものは日本語でやるので大丈夫です。Voilà, donc je passe la parole à Nasubi, qui est un surnom, et qui va vous exposer donc sa partie à lui, puis ce sera Annie Thébomoni, puis il y aura le débat. On insiste énormément sur cette partie-là. Donc il faut vraiment avoir des idées. Mina san konnichiwa. Hajime mashite, Nasubi to moushimasu. Bonjour, je m'appelle Nasubi. Kyou wa kono Paris de no sakai forum de
原発労働者の安全健康の問題を皆さんと共に議論できること、そして尊敬するアニーさんと会えたことを非常に光栄に思います。Très content aujourd'hui de prendre discuter sur les conditions de travail et de travail à nucléaire au Japon et en France et discuter sur comment améliorer les conditions de travail et particulièrement il est très heureux d'avoir une comment dire il faire la présentation à côté de Annie parce que il a eu beaucoup d'idées à partir des livres que vous avez écrits. 僕はもともと東京で日雇い労働者の支援活動をしていました。Moi, je milite depuis longtemps à Tokyo dans une association qui soutient les travailleurs journaliers. 原発が定期検査の時に最初に除染のために日雇い労働者が多く使われているということを私たちは知っていたんですが、そのことを運動として何も取り組んでこれませんでした。Et pendant les arrêts de tranches des centrales nucléaires, il y a beaucoup de travailleurs journaliers qui sont allés travailler là-bas et on le savait très bien, mais avant l'accident de Fukushima, on ne pouvait rien faire là-dessus.そして2011年に福島第一原発の事故が起きて、まるで決死隊のように多くの労働者が収束作業に入るということを非常に自分たちの責任だというふうに感じてきました。Après l'accident de Fukushima, il y a beaucoup de travailleurs journaliers ils sont allés travailler comme les soldats atomiques pour régler les problèmes. Nous, on a pensé un peu.Responsable, on s'est culpabilisé un petit peu parce qu'on n'avait rien fait jusqu'alors. そして同じように思う同じように思っていた仲間たちが多数いて、その仲間たちとともに事故の後被爆労働を考えるネットワークというグループを作って活動を始めました。C'est pour ça qu'on a monté une association qui s'appelle le réseausolidaire avec les travailleurs sous-traitants de nucléaire. Et 今日は福島第一原発の事故の後労働者の被害がどのように現れているかということと、そして我々の取り組みについて紹介したいと考えています。Alors donc aujourd'hui je voudrais vous présenter après l'accident de Fukushima qu'est-ce qui s'est passé sur les qu'est-ce qui s'est passé dans la sur les conditions de travail des travailleurs nucléaires. Et sur notre activité. OK, c'est bon.今日の資料は日本語で書かれているものがほとんどで、それを稲葉奈々子さんがフランス語に翻訳してくださいますので、写真や図や数字の部分に注目して見ていただければと思います。Le document que comment ça veut dire PowerPoint, c'est beaucoup de parties sont écrites en japonais, mais c'est avec la traduction. Donc pour vous montrer, c'est plutôt les chiffres et les photos. Donc vous inquiétez pas, il y a beaucoup de japonais, mais ça va être traduit. Je vous remercie.今日のお話はまず福島第一原発がどのような労働環境にあって労働災害がどのように起こっているかということをお話します。D'abord, je vais parler sur les conditions de travail à Fukushima Daiichi et les dommages expérience des travailleurs.その労働者がどのような雇用のあり方の中で仕事をして、実際被爆の状況がどうなのかということも紹介します。aussi façon d'embauche des travailleurs nucléaires et en même temps le travail ce qu'ils font。そしてそれに対して日本の政府がどのような健康管理をしているかということを問題します。aussi la politique de l'État
pour contrôler la santé des travailleurs. そして最後に私たちの取り組みを紹介したいと思います。Dernièrement, je voudrais parler sur notre activité. この写真は事故直後の福島第一原発の1号機から4号機の上空写真です。Et ça montre les réacteurs juste après les photos. Ça montre les réacteurs à partir de numéro 1 jusqu'à numéro 4 juste après des accidents, de l'accident. 基本的にこの4つの建屋の中で全て爆発が起こり、3つの原子炉についてはその建屋の屋根が吹き飛ぶような状況になりました。労働者はその破壊された原子炉建屋の周辺でその収束作業と廃炉の作業を始めることになりました。Donc, les travailleurs nucléaires d'abord, c'est pour débarrasser tous ces déchets qui ont à cause de l'explosion et en même temps pour mettre en ordre les réacteurs accidentés.で黄色く見える、お椀のようなものはこれは格納容器の蓋です。Donc, la partie jaune que vous voyez, c'est le centre de centrale nucléaire. そして、写真を見て分かるように非常に足場の悪い、作業環境としても非常に危険な現場であるということが分かると思います。Et c'est évident que c'est le lieu très dangereux pour travailler. 現在の福島第一原発の状態を絵に描いたものになります。Donc c'est la situation actuelle de Fukushima Daiichi. いずれも溶け落ちた核燃料がどこにあるか正確には分からない状態になっています。On ne sait pas exactement où est les débris qui ont tombé dans le réacteur. On ne sait pas où ils sont.ですので原子炉の中は非常に高線量の場所になっています。特にこの2号機については原子炉建屋の中がごめんなさい、格納容器の中は1時間あたり80シーベルトという高線量になっています。Dans les réacteurs, rayonnement ionisant, c'est très fort. Et par exemple, dans le deuxième réacteur, c'est à peu près 80 sieverts par そこに5分か6分いると全員死ぬような放射線量です。Donc c'est vraiment si on est là 5-6 minutes, tout le monde sera mort. この建屋の周辺の空間線量はずいぶん下がってきましたが、ただこれから行う核燃料取り出し作業はこのような非常に危険な環境になっています。 Et aujourd'hui, le taux de rayonnement ça commence à baisser, mais quand même, pour commencer les travaux de démantèlement des réacteurs accidentés, ce sont des travaux très, très, très dangereux. さらに廃炉作業は土木工事を含めて土木工事や汚染水処理なんかを含めて非常に多様な作業があって現場では非常に混乱が続いている状況にあります。Les travaux que les travailleurs doivent faire, il y a plusieurs types de travail comme les tri de déchets et traitement des eaux contaminées. Et toujours, même aujourd'hui, le lieu de travail est en désordre.今も毎日約6000人の労働者が作業していますが、そのような混乱があることと作業現場が非常に難しい現場であるということがあって、労働災害がたくさん起きています。Tous les jours, il y a environ 6000 travailleurs qui travaillent dans des centrales de Fukushima, mais comme à cause de désordres sur place, il y a beaucoup d'accidents de travail.Tous les jours.
これは最初に福島第一原発の作業の中で労働災害で人が亡くなった時の事件の報告です。Maintenant, je voudrais vous parler sur le premier accident de travail qui s'est produit à Fukushima. で、これは右側に見えるのがある建物の基礎の下の部分なんですが、地震で壊れたこの建物を修繕して、これを廃棄物処理、廃棄物置き場にしようと工事をしているところです。Donc c'est le bâtiment qui est cassé, qui est détruit à cause du tremblement de terre. Et les travaux c'est pour les travaux c'est pour faire les lieux pour mettre les déchets dans ce lieu. Ça veut dire ils ont on fortifié le bâtiment pour que on puisse mettre les déchets dedans. この作業で左上の写真に見える基礎のコンクリート部分が脱落して、ここに写っている労働者が一人生き埋めになって亡くなりました。Une partie de béton est tombée sur le travailleur qui était en train de faire comment dire qui était en train de travailler et il est décédé。このような作業というのは一般の建設現場でもよくある作業なんですが、それに比べると非常に準備が簡易的にやられた中で作業が行われて、結果として事故が起こりました。Dans la construction, sur le lieu de travail de la construction, on fait très souvent ce genre de travail, mais là à Fukushima, rien n'était bien préparé. C'est pour ça que une partie de béton est tombée et ça a causé un accident. このように福島第一原発では通常の作業に比べて安全が後回しになって、とにかく作業を先に進めるということが優先されてやられてくることで災害が起きています。福島プリオリテ c'est pas la sécurité des travailleurs, c'est toujours on va finir plus tôt que possible, ça c'est le priorité. このグラフは事故が2011年に起きた後、毎年4日以上の休みを取った負傷の数と、それから赤いのが死亡者の数です。Ça montre le nombre de travailleurs, donc partie rouge, ce sont des travailleurs décédés, nombre de travailleurs décédés, et partie orange, c'est le nombre de travailleurs qui ont pris le congé à cause de maladies ou à cause de problèmes de santé. 2013年に IOC 総会で東京オリンピックの2020年の開催が決定して、その際に安倍首相が原子力発電所は大丈夫だというふうに言ったことによって、今度はそのことで現場に負担がかかって、その翌年の2014年には非常に多くの災害が発生しているということが分かります。En 2013, le Japon a réussi à avoir invité les Jeux olympiques en 2020 à Tokyo et...Le premier ministre Abe, il a dit que la situation de Fukushima est contrôlée, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun danger. Et c'est pour ça que sur le lieu de travail, il y a beaucoup de pression pour finir les travaux avant 2020. Et ça a causé aussi beaucoup d'accidents de travail, donc le chiffre des morts a augmenté en 2014.ただこれは東京電力が死亡災害として報告した数だけで、この中に入っていない、例えば休憩所で倒れて亡くなった方とか、そういう人数を入れると、去年の7月までで16名の労働者が亡くなっています。Ce sont des chiffres rendus publics par TEPCO, mais ils n'ont pas compté les travailleurs qui est devenu malade hors du lieu de travail par exemple dans le foyer. Et donc c'est vraiment ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé sur le lieu de travail.
で、そのような安全管理上の問題が起こるのには、一つ、日本での、その労働者の雇用関係で重層下請け構造になっているという問題があります。Et pourquoi la sécurité n'est pas privilégiée? Parce qu'une raison, c'est le système de, d'embauchement des travailleurs nucléaires et ça montre le système en cascade de recrutement des travailleurs.これは、一番上に、電力会社があってそしてその原発に関する仕事を他の会社に次々と委託していきます。Et plus haut, c'est le TEPCO, compagnie d'électricité, et après, il y a plusieurs compagnies qui sous-traitent les travaux dans les centrales nucléaires.それぞれの会社の社員はもちろんいるんですが、一番末端の業者に雇用された、労働者はその途中で賃金がピンハネされたりまた、雇用の責任者が誰であるのかというのが非常に曖昧になります。 Donc, chaque fois, chaque compagnie prend une partie de l'argent qui est payé par TEPCO. Donc, plus bas de la tranche, les travailleurs sont pas bien payés.Et la responsabilité de leur accident de travail n'est pas très très claire. その中で、福島県の労働局が発表している数字では、事故直後に 75% の業者に何らかの法令違反があり、現在も約 40% の業者に、労働法の違反があるというふうに報告されています。Les chiffres donnés par la ville de Fukushima, ça montre à peu près, juste après, après l'accident, parmi les 75% des compagnies qui s'occupent de travail à Fukushima, il y a pratiques illégales concernant la loi du travail. Et même aujourd'hui, les chiffres, c'est à peu près 40%. C'est 39,7%. そのような非常に労働者の安全管理が二の次になっているわけですから、当然、被爆の問題についても多くの問題を抱えています。Donc, l'exposition au rayonnement ionisant, ça pose aussi beaucoup de problèmes. このグラフは、縦のグレーの部分が、これが、原発で働いている下請け労働者の総被爆量で、下の黒い部分が電力会社の、総被爆量です。Partie gris, c'est la dose que les travailleurs sous-traitants ont pris.Et partie plus bas noire, c'est la dose de agent de TEPCO. 日本において商業原発が始まって、1970年代から、これは2008年までのデータですけれども、被爆量の総被爆量の 96% が下請け労働者の被爆になっています。Et au total, toute la doseSur les lieux de centrales nucléaires, 86% est assumé par les travailleurs nucléaires sous-traitants. これは、何年だっけ、それじゃった、20とか、1980年からの、縦の棒が、これが働いた労働者の、1年間に働いた労働者の数で、点の、線グラフになっているのが、1人当たりの被爆量の変化を表しています。Et les chiffres montrent d'abord nombre de travailleurs nucléaires sur place, et après, comment ça veut dire le... La courbe, ça montre la dose pris par les travailleurs.事故前の2010年は原発で働く労働者の1人当たりの平均の被曝量は 1.2 ミリシーベルトでした。Avant l'accident, un travailleur, la dose moyenne d'un travailleur par an était 1,2 ミリシーベルトパーン。で、その中で、事故前は原発で働いた人の中では13人が労災認定を受けています。Avant l'accident de Fukushima, au total, il y a 13 travailleurs qui ont été reconnus un accident de travail. 病院は白血病、
多発性骨髄腫、悪性リンパ腫です。Et plupart sont des leucémies, le cancer des os et cancer de la lymphe, rampe. Comment ça? Non. Limpa. Rampe, limpe, lymphe. Lymphe. Oui, lymphe. Lymphome, oui. それは事故前の話なんですが、事故のあと収束に作業に入った労働者はの1人当たりの平均の被曝量は 12.8 ミリシーベルトで、これは事故前の労働者の約10倍です。ce que j'ai parlé, ce que j'ai parlé maintenant, c'est avant l'accident. Et après l'accident, un travailleur prend la dose 10 fois plus qu'avant l'accident, 12 millisieverts par an.Moyennement. 去年の3月までで50ミリシーベルトを超えている人が2931人で、100ミリシーベルトを超えている人が174人です。L'année dernière, il y avait à peu près 2931 travailleurs dont la dose a dépassé 50 millisieverts. Et pour 174 personnes, il a eu la dose au-delà de 100 millisieverts par an. Et これは事故の後、年度ごとに被曝量を書いたものですが、左側は労働者の平均の被曝量の変化を表しています。ça montre la dose moyenne par travailleur. Et à votre droite, à gauche, ça montre les chiffres de chaque année. で、赤いものがこれが東京電力の社員の被曝で、青いのが下請け労働者の被曝です。La courbe rouge, ça montre la dose de agents de TEPCO. Et le bleu, la dose des sous-traitants.で、事故直後は東京電力の社員が収束作業に当たったので被曝量が大きいですが、翌年からは下請け労働者の方が被曝をしています。 Donc, juste après l'accident, c'était des agents de TEPCO qui a travaillé sur place, donc il a pris beaucoup de doses. Mais après, ce sont des sous-traitants qui assument toute la dose.年とともに被曝線量が平均値が下がっているので、労働環境が安全になったのかというふうに思えるかもしれませんが、それはそうではありません。Chaque année, la dose, le montant de la dose, ça se baisse, mais ça ne vous dit pas que les conditions de travail s'est améliorées. 右側はこれは最大の被曝をした人の数値になっています。 Donc, là, sur votre droite, ça montre la dose la plus élevée parmi les travailleurs. 赤い東京電力の社員の最高に被曝をした人は年とともに下がっていますが、下請け労働者の被曝は一番被曝をした人は40ミリシーベルトでほとんど変わっていません。 Et pour les agents de TEPCO, plus élevé, c'est 700 millisieverts par an, juste après l'accident. Mais après, ça s'est baissé. Mais pour les sous-traitants, ça ne baisse pas et c'est toujours autour de 40 millisieverts par an. その理由は東京電力がこの作業の中で最大で40ミリシーベルトまでというふうに規定しているために、そのギリギリまでは作業させているということが反映しています。 Parce que TEPCO, ils ont un règlement qui autorise un travailleur peut assumer jusqu'à 40 millisieverts par an. C'est pour ça que toujours ça ne change pas, ça reste toujours autour de 40 millisieverts.で、次に、それに対して国がどのような健康管理をしているかということをお話します。これは、去年の3月までのデータですが、すべての労働者が、約4万6千人、そのうち、国が、登録証を発行しているのが約2万人です。Et au total, tous les travailleurs dans des centrales nucléaires, c'est à peu près 46 000 travailleurs, et dont 20 000 ont des carnets de travailleurs nucléaires. Oui.
でこれは、国が特定緊急作業というふうに指定したのが、事故が起きた3月から12月の16日のまでの作業の間です。そこで作業した労働者を特定緊急作業従事者 者として、その人にだけ、対応しています。20 000 travailleurs. Pourquoi ils ont des carnets de travailleurs? C'est parce que l'État a désigné les travaux urgents. Donc après l'accident, c'est uniquement pour ces travailleurs qui s'occupent de travail urgent qu'il a eu carnet de travailleurs nucléaires.すなわち事故のあった翌年から働いている労働者は基本的に国は健康管理をしていません。翌年してない。ça veut dire le contrôle c'est uniquement uniquement l'année de l'accident pendant un an à peu près pendant les travaux urgents et après l'État ne contrôle plus la santé des travailleurs nucléaires. Ça veut dire si un an après, les travailleurs ne peuvent plus avoir la carnet de santé des travailleurs nucléaires. で、50ミリシーベルト以上被爆した人は、国が白内障の検査をしているんですが、そのような50ミリシーベルト以上の被爆をしている人は2931人いますけれども、そのうちに、実際に検査を受けているのは検査が受けられる人は904人だけです。というのは特定緊急作業従事者になっている人がこの中で904人だけだからです。Et pour les travailleurs qui s'occupent de travail urgent, si la dose dépasse 50 millisieverts, il faut avoir l'examen médical des yeux, mais ça ne correspond que 904 travailleurs sur 2931, parce que c'est uniquement pour les travailleurs qui s'occupent de travaux pendant la période de travail urgent. Donc les autres ne peuvent pas avoir l'examen médical. それから100ミリシーベルトを超える被爆をした人は、国が甲状腺検査とがん検診をしていますが、それは174人中167人だけがその権利を持っています。Et pour les travailleurs dont la dose dépasse 100 millisieverts, il y a au total il y a 174 travailleurs, mais dont 167 ont le droit d'avoir l'examen médical pour savoir cancer de thyroïde et les autres, l'estomac, poumons, les intestins. Donc ce n'est pas tous les travailleurs. 50 ミリシーベルト以下の被爆の人は国の責任で健康管理はされていません。La dose, si la dose est moins de 50 millisieverts, il n'y a aucun contrôle de la santé par l'État.それに対して私たちは原発で作業している人たちへのビラ撒きなどの乗船活動を行って労働相談を受けて、そして労働葬儀をやっています。でこの写真は福島で労働相談を受けている時の写真です。Nous distribuons les tracts autour de centrale nucléaire à Fukushima pour sensibiliser les travailleurs et nous faisons aussi la permanence pour recevoir les travailleurs qui ont des problèmes. Et la photo, c'est un article d'un journal qui montre la permanence. その相談の中から賃金の不払い、それから健康診断書の偽造、それから違法な長時間労働についてこれを葬儀で保証させて、そして国へもその改善を要求しました。Dans la permanence, on a entendu beaucoup de problèmes de impayment des salaires et aussi 賃金不払いと長時間労働、違法な長時間労働と travail les âges supplémentaires illégal健康診断書の偽造 et falsifié certificat médicaux falsifié ça se dit ça veut dire c'est pas le vrai certificat médical falsifié on a trouvé ces problèmes そして今年はやらなかったんですが去年一昨年と
被爆労働者統一春闘ということで、うん、東京電力の前で、抗議行動をやりました。 Nous avons aussi organisé la manifestation devant TEPCO pour obtenir les droits des travailleurs. あれ？何これ？おお、聞いちゃってる。あ、大丈夫だ。それから、事故後に、3人の方が収束作業の労働者3人の方が労災認定を受けています。 Après l'accident, il y a trois travailleurs qui ont été reconnus un accident de travail. 1人は事故直後に収束作業に入った東京電力の社員で甲状腺がんになっています。 Dont un est un agent de TEPCO qui travaillait juste après l'accident et il a eu le cancer du thyroïde.あとの2人は下請けの労働者で、2人とも急性骨髄性白血病になりました。2 autres sont des travailleurs sous-traitants et ils ont eu leucémie. でそのうち一番最初に労災認定を受けた白血病の労働者が東京電力を相手に損害賠償の裁判を起こしています。Le premier travailleur sous-traitantIl a obtenu reconnaissance de travail, accident de travail, mais maintenant il attaque TEPCO pour obtenir l'indemnisation et pour faire reconnaître la responsabilité de la compagnie.これまで裁判で電力会社が損害賠償を払う判決は一度も出ていません。Jusqu'à maintenant, dans l'histoire de Japon, la compagnie d'électricité n'a jamais payé l'indemnisation aux travailleurs. 私たちは彼の裁判を勝つことによって、全ての原発労働者が損害賠償を受けられるような変化をもたらしたいと思って彼の裁判を支援しています。C'est pour ça que nous voulons gagner ce procès pour que tous les autres travailleurs sous-traitants aussi pour qu'ils puissent avoir les indemnisations payées par la compagnie TEPCO. で、その労働者をニックネームで我々はアラカブさんと呼んでいます。donc le procès, le travailleur qui est maintenant qui fait un procès contre TEPCO, son surnom est Arakabu-san, c'est marqué là-haut. アラカブっていうのは魚の種類なんですけれども、アラカブ c'est un poisson. ぜひアラカブさんという名前を覚えていってください。そしてぜひ世界からの支援をお願いします。Et je voudrais que donc vous vous souvenez le nom Arakabu-san pour comment dire pour un peu pour savoir la situation des travailleurs nucléaires au Japon. これは最後になりますが、私たちは今もう一つのプロジェクトとして、この被爆労働問題の国際的な比較調査をする取り組みを始めています。Un autre projet que nous occupons maintenant, c'est nous faisons la recherche sur les conditions de travail de différents pays pour savoir pour résoudre les problèmes ensemble.去年、この反核社会フォーラムを去年の3月に東京でやったんですが、その時にウクライナ と,、フランスと韓国の原発労働者を、招いてシンポジウムを行いました。L'année dernière, à Tokyo, nous avons organisé aussi forum social anti-nucléaire. Et là, on a invité les travailleurs nucléaires de la France, Ukraine, Corée du Sud.その中ではっきりしたことは、日本に限らずどの国の原発労働者の問題も、非常に、明らかにされてないことが多く、実態がよくわからないということでした。ce qu'on a pu, on a, au moment du forum, donc on s'est rendu compte que dans tous les pays, les conditions de travail des travailleurs nucléaires n'est pas du tout clair, on connaît rien. C'est le point commun, c'est ce qu'on a découvert. 私たちは今年からその各国の
原発労働者をめぐる法制度と、そして実際どのような被害があり、そして実際どのような被害があるかということを調べる取り組みを始めました。Donc c'est pour ça que nous avons commencé la recherche sur les conditions de travail des travailleurs nucléaires, sur leur situation de santé et sur le dommage qu'ils ont vécu.今回のこの社会フォーラムへの参加もフランスをはじめ各国の労働者の実情について調べるということが私たちの大きなモチベーションになっています。Nous avons décidé de participer au forum pour avancer ce projet。ぜひここに参加した皆さんともぜひ情報交換と討論したいと思っていますので、今日はよろしくお願いします。Je voudrais bien faire les échanges avec vous qui est maintenant ici. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'excellence de cette démonstration et puis pour l'excellence aussi de la traduction de Nanako qui avait assuré à Tokyo la traduction pour les Français qui étaient là-bas. Donc merci beaucoup. Sans plus tarder, je passe la parole à Annie. Merci Bruno. Merci à Nazubi pour son exposé, parce que c'est très très important qu'il puisse y avoir effectivement une coopération sur la base d'une connaissance des conditions dans lesquelles interviennent les travailleurs dans les différents pays confrontés à ce problème du nucléaire. Non, mais ça va. Hein. On remarquera mieux, oui. Alors, il y a beaucoup de points communs, en fait, entre ce qui se passe au Japon autour de Fukushima, et je crains que dans les autres centrales japonaises, la sous-traitance soit également en vigueur, comme elle l'est en France. Et en fait, sur ce thème, santé et nucléaire, je voulais moi aussi revenir complètement sur ce problème de l'invisibilité des travailleurs irradiés, des travailleurs travaillant sous irradiation et sous contamination radioactive, je vais y revenir, qui permet à l'industrie nucléaire de continuer à maintenir le mythe d'une radioactivité quasi inoffensive. Et cette situation-là, il faut qu'on arrive à inverser la tendance, c'est-à-dire que les atteintes liées à la radioactivité deviennent une préoccupation bien plus largement que pour l'instant les réseaux militants que nous représentons ici. Alors, dans une première partie, je vais évoquer moi aussi la division du travail et les conditions de travail dans l'industrie nucléaire, et vous verrez que c'est pas très différent de ce qui se passe dans une gestion post-accidentelle comme Fukushima. Ensuite, je parlerai de la question de la santé et des mensonges de l'industrie nucléaire, comment sont construits ces mensonges qui permettent le mythe. Et puis enfin, j'évoquerai quelques pistes pour essayer de lutter, de créer des contre-pouvoirs face à cette situation. Alors, la division sociale du travail dans l'industrie nucléaire, j'ai, vous le savez, fait des enquêtes. Je crois qu'il y a un certain nombre de choses qui sont connues. Je renvoie à des travaux que j'ai faits il y a quelques années avec une enquête auprès des sous-traitants, avec ce livre qui explique un peu par le menu comment en 10 ans à peu près l'industrie nucléaire
a totalement sous-traité les tâches les plus dangereuses, et en particulier la maintenance, dans tous les sites nucléaires en France. Donc l'industrie nucléaire sous-traitant ses servitudes, c'est un livre qui est paru aux éditions INSERM. Et je vais prendre un exemple, mais tout à fait récent, qui s'appuie aussi sur un travail qui avait été fait par la CRIRAD dans les années 93-94, pour vous illustrer simplement l'état du mensonge, mais aussi de la mauvaise gestion de la maintenance, de la gestion des déchets, du nettoyage dans l'industrie nucléaire française, dans une situation non accidentelle. En 93, la CRIRAD est alertée par une contamination radioactive autour d'une entreprise qui s'appelle Radiacontrol. Radiacontrol a, semble-t-il, une mission, entre guillemets, de décontamination. Et en principe, c'est une mission qu'elle doit accomplir sur les sites, les installations nucléaires de base, donc les sites qui sont en principe contrôlés parce que effectivement ils gèrent de la radioactivité. Or là, on n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans la situation d'une entreprise qui n'est ni une ICPE, ni enfin une installation classée, ni une INB. Et il y a de la radioactivité en dehors du site, mais manifestement qui fait écho à de la radioactivité sur le site. Et en fait, la CRIRAD mènera l'enquête, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus, en montrant que des déchets radioactifs sont régulièrement adressés à cette entreprise qui n'a aucune qualification pour le faire, que ces déchets radioactifs à vie longue, pour certains, césium-137, radium, américium et donc plutonium, font l'objet d'un brûlage en plein air, d'où la contamination à l'extérieur. Donc, c'est une situation qui avait été instruite, documentée, et où on voit comment l'ensemble des autorités publiques, que ce soit la préfecture, le SCPRI de l'époque, qui est la SN maintenant, ou l'IRSN, le CEA, EDF, tout le monde bottant en touche sur cette situation. Un vrai scandale sanitaire qui, évidemment, ne donne lieu à aucune véritable gestion responsable de la part de l'État. Dans une enquête à laquelle je participe depuis quelques mois, nous sommes actuellement en train de reconstituer les parcours professionnels de patients atteints de cancer pris en charge dans un service hématologie au centre hospitalier d'Avignon, à la demande des médecins qui sont inquiets de voir augmenter les myélomes, les lymphomes, les leucémies, etc. Et un des patients, se trouve être un ancien travailleur de Radiacontrol. Nous lui faisons reconstituer son parcours professionnel. Et là, je vais vous en donner les différentes étapes parce que c'est totalement illustratif de ce que les exploitants du nucléaire, avec la complicité de l'État, ont construit comme système pour avoir des travailleurs dédiés au plus sale boulot dans le nucléaire et qu'ils disparaissent totalement, y compris des statistiques officielles. Jérôme a commencé son travail, a commencé par une formation, un BEP, qui a été créé, je le sais, par EDF, lorsqu'ils ont décidé de sous-traiter. Ils ont créé un certain, avec les lycées professionnels, etc., ils ont créé un certain nombre de formations pour former des jeunes aux tâches
Alors, on les appelait jusqu'à la fin des années 90 les servitudes nucléaires. Et ce n'est pas des militants comme nous qui avons introduit ce terme de servitude, c'est l'industrie nucléaire elle-même qui appelait servitude nucléaire la décontamination. Quand ils ont vu que le mot servitude évoquait autre chose, ils ont rebaptisé logistique. C'est beaucoup plus abstrait, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Servitude nucléaire, c'est quoi? C'est la décontamination. Décontamination piscine, c'est l'ouverture des GV dans des conditions assez acrobatiques et toujours fortement exposées. Et c'est toutes les tâches, pour dire vite, qui préparent le travail spécialisé de maintenance dans les centrales. Donc, ils ont créé des formations pour que des jeunes soient dédiés, enfin des travailleurs, jeunes puis moins jeunes, mais ils ne vieillissent pas beaucoup dans ces métiers-là d'ailleurs, je peux vous le dire. Et ce métier, entre guillemets, de servitude nucléaire, ils l'ont baptisé agent d'assainissement radioactif. Vous apprécierez le terme. Agent d'assainissement radioactif. Et donc Jérôme, à l'âge de 16 ans, 17 ans, à l'âge du BEP, a commencé des actions de décontamination radioactive dans différentes installations, Areva, enfin pas Areva à l'époque, Cogema ou autre, CEA, dans laquelle il était soumis au double risque, irradiation externe, quand la source radioactive est à l'extérieur, contamination interne, quand vous respirez ou vous inhalez ou vous avalez de la poussière radioactive ou quand vous l'avez sur l'épiderme. Et donc, dès ces années de BEP, il commence à être exposé. Alors, dans des conditions où manifestement, il dit qu'il ne se souvient pas avoir eu les instruments de mesure, c'est-à-dire le dosimètre. Il ne se souvient pas de ce qu'on lui avait appris à l'époque. Et en tout cas, il sait qu'il a travaillé dans des endroits où il y avait de la contamination radioactive. Il l'a compris après, à la lumière du travail qu'il a fait après. Ensuite, il fait son service militaire. Et devinez quoi? Il est affecté à des stages de contrôle radiologique au sein de la COGEMA, notamment dans les réacteurs militaires. Et puis, il part 6 semaines à Mururoa, où il aura le bénéfice d'assister à 2 essais nucléaires. Et de quoi est-il chargé? D'activités de décontamination des résidus d'essais nucléaires aériens, avec tout ce qu'on sait aujourd'hui, grâce notamment au travail de Bruno Barillo, sur la contamination intense qu'il y a eu à cette époque-là. Et puis après, ben, il continue pendant un certain temps comme dans des activités de sous-traitance, avant de devenir salarié de la COGEMA, où il va travailler aux étapes de la transformation de l'uranium enrichi dans un atelier de Marcoule. Ensuite, il va être sur la transformation de l'uranium. Et dans tous ces postes de travail, évidemment, il va être exposé à l'irradiation externe et à la contamination interne. À 48 ans, il est atteint d'un syndrome myéloprolifératif qui, bien sûr, n'existe pas dans le tableau de maladie professionnelle. Et quand il fait une déclaration de maladie professionnelle, la maladie professionnelle lui est refusée. Donc, c'est à ce moment-là qu'il se trouve que nous intervenons dans cette enquête. Et bien sûr, nous l'avons encouragé à contester. Et avec un avocat, nous l'accompagnons dans la procédure de reconnaissance. Donc, si je reprends la question de l'invisibilité, vous avez des travailleurs qui commencent par des formations totalement ignorées du grand public.
Ils continuent en étant sous-traitants. Les sous-traitants, ils n'existent pas. Ils ne sont pas suivis du point de vue de la santé. On retrouve des choses qui ont été exprimées par Nasubi. Et donc, cette situation-là n'est pas propre à une situation post-accidentelle. C'est la situation ordinaire en France pour les milliers, dizaines de milliers, voire centaines de milliers de travailleurs qui interviennent en sous-traitance sur les sites de l'industrie nucléaire française. Donc je voulais vous donner cet exemple-là parce que au moment où ces travailleurs tombent malades, eh bien plus personne ne veut admettre que la maladie dont ils souffrent, c'est une maladie radio-induite. Il y a des documents sur les syndromes myéloprolifératifs. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques sur ce qu'on sait par rapport à ça, mais il est certain que les institutions résistent de façon active à la reconnaissance en maladie professionnelle de ces travailleurs. Il y a quelques années, avec l'association Santé Sous-Traitance et l'association Henri Pezra, nous avons réussi à obtenir la reconnaissance d'un décontamineur sous-traitant décédé d'un cancer bronchopulmonaire à l'âge de 52 ans. Il avait également subi un périple du même type que celui de Jérôme, sauf qu'il n'était pas statutaire. Il n'a pas été intégré par EDF, il est resté sous-traitant, intérimaire pendant toute une partie de sa carrière. Et en fait, c'est parce que des militants syndicaux de son entreprise, dont Philippe Billard, qui viendra tout à l'heure, le connaissait, qu'il a pu déclarer cette maladie professionnelle, être reconnu en maladie professionnelle. Et même, alors là, nous sommes intervenus, là aussi, à plusieurs, y compris des avocats, pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Et moi, j'avais demandé aux avocats, il faudrait que cette faute inexcusable soit celle de l'exploitant nucléaire, EDF, parce que qui génère le risque, c'est EDF. Et la loi française fait que la faute inexcusable de l'employeur s'applique à l'employeur direct, mais jamais au donneur d'ordre. Donc, on voit très bien comment EDF n'est jamais impliqué dans les maladies professionnelles des sous-traitants qui travaillent sur les sites. Donc c'est une manière aussi de rendre totalement invisibles les conséquences sanitaires du travail sous irradiation fait dans les centrales nucléaires. Comme au Japon, comme à Fukushima, 80 à 85% de l'irradiation et de la contamination radioactive est supportée par les travailleurs extérieurs de l'industrie nucléaire. Alors, si on revient maintenant à ce qu'on sait sur la santé et les rapports entre radioactivité et atteinte. Alors là, je vais faire un survol historique éclair, mais je pense que ça vaut quand même le coup d'en reparler, parce qu'on sait quand même depuis la fin du 19e siècle, et en tout cas les années 20, 30, 40, les méfaits de la radioactivité, y compris à faible dose. Ce débat n'a plus lieu d'être depuis 70 ans. Ce qu'ont fait les industriels et le lobby nucléaire, civil et militaire, pour empêcher la connaissance des effets sanitaires de la radioactivité, ils ont mis en place un certain nombre de stratégies qu'on retrouve dans l'industrie de l'amiante, dans l'industrie de la chimie. Monsanto fait la même chose avec les pesticides. Premièrement, ils sont les premiers à connaître les effets. Donc, ils les cachent. Alors, les militaires, c'est très facile, le secret, défense, sert toujours à empêcher de connaître
les conséquences de l'usage des armes nucléaires. On a un exemple en France avec les irradiés de l'île Longue qui ont monté les missiles, donc les travailleurs de l'État qui montaient les missiles, qui montent les missiles à l'île Longue, parce que malheureusement, il y en a encore qui continuent. De 72 à 96, ces travailleurs ont monté les missiles sans aucune information sur le fait qu'ils étaient gravement exposés à la radioactivité, irradiation et contamination radioactive. Ils ne portaient pas de dosimètre. Ils pouvaient même passer une journée entière près du missile, prenant leur, y compris leur gamelle, sans s'écarter de leur atelier. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on sait maintenant qu'un certain nombre d'entre eux sont déjà décédés de cancer, leucémie, cancer bronchopulmonaire, cancer de la prostate, etc. Mais qu'au nom du secret défense, le ministère de la Défense conteste continuellement les reconnaissances en maladie professionnelle qui sont obtenues par ces travailleurs. Donc, le secret défense a bon dos pour empêcher la connaissance des conséquences. Ensuite, ils ont imposé le silence aux chercheurs. Il y a quelques chercheurs célèbres, comme le premier qui avait essayé de faire un travail sur les cancers liés à la radioactivité pendant le projet Manhattan, sur deux ou trois sites de ce projet, donc à Hunford et Oak Ridge. Son enquête, il n'a pas pu la mener au bout. Dès que les premiers résultats ont montré que c'était catastrophique, le fichier lui a été supprimé. Heureusement, il en avait fait une copie et il a pu publier quelques résultats grâce à cette copie du fichier. Mais pour être sûr qu'il ne puisse pas continuer, que personne puisse continuer, les dossiers médicaux des travailleurs de Oak Ridge ont été... Il y a eu un incendie. Alors, bien sûr, on ne saura jamais si c'est un incendie délibéré, mais ça y ressemble en tout cas. Et puis, la troisième stratégie, c'est celle que vous connaissez par rapport à Tchernobyl, par rapport à Fukushima. Quand c'est plus possible de cacher un accident, alors ils en ont caché un certain nombre, hein, je ne vais pas vous les énumérer, quand c'est plus possible de cacher les effets des essais nucléaires, à ce moment-là, on inverse complètement la tendance. Et c'est toute l'histoire que Roger et Béla Belbeok ont mis en évidence, que Vladimir Tcherkov aussi, c'est-à-dire la radioactivité, chacun peut la gérer et tout ira bien. Hein, c'est ce qui se passe autour de Tchernobyl depuis 30 ans. Et heureusement qu'il y a eu Belrad, Nesterenko et le travail qui est fait avec des associations comme les enfants de Tchernobyl en Biélorussie, la CRIRAD, pour soutenir une visibilité par rapport à ce qui se passe dans ces situations post-accidentelles. Et je me réjouis beaucoup qu'il y ait ici ces collègues japonais qui peuvent nous donner de l'information par rapport à ce qui se passe à Fukushima. Et puis, la quatrième stratégie importante, c'est cette invisibilisation des travailleurs et des atteintes de ces travailleurs par les stratégies de sous-traitance que nous vous avons décrites, Nasubi et moi. Alors, pour terminer, je voudrais revenir à comment créer des formes de mobilisation sur les conditions de travail qui permettent aussi d'unir les luttes internes et externes, non seulement au nucléaire, mais aussi aux travailleurs, au travail. C'est-à-dire que bien souvent, ce qui est terrible dans l'histoire du nucléaire, mais ce n'est pas seulement dans le nucléaire, c'est
une opposition entre démobilisation à l'extérieur, environnementale, de voisinage, et puis les travailleurs qui ont en fait un double axe de lutte souvent, leur santé, mais aussi leur emploi, leur travail. Et la contradiction dans laquelle sont souvent les syndicalistes fait que l'emploi prend le pas sur le travail et qu'on se retrouve avec une opposition qui est exploitée par le patronat, par les pouvoirs publics, pour ne pas bouger. Donc, une des choses sur lesquelles il faut qu'on travaille, et je pense que le Forum social est un des espaces où on peut essayer de le faire, c'est sur l'articulation de ces luttes. Et moi, je pense qu'on a un certain nombre d'expériences. Je pense en particulier au travail qui se fait... Alors moi, je travaille beaucoup avec la CRIRAD depuis longtemps, mais on a la possibilité, en mettant en évidence des situations comme celle de Radia Control que je viens d'évoquer, de réconcilier en quelque sorte la conscience du danger à l'intérieur et à l'extérieur de sites comme celui-là. Je dirais que notre premier objectif de lutte, c'est celui qui consiste à briser l'invisibilité. Briser l'invisibilité des contaminations radioactives, des expositions. Il faut dire les situations dans lesquelles les gens sont exposés à la radioactivité, les dénoncer chaque fois qu'on peut. Mais briser l'invisibilité, c'est aussi briser l'invisibilité des travailleurs sacrifiés. Parce que c'est le nom que donne Philippe Billard, et vous allez l'entendre tout à l'heure certainement, mais il y a tellement, tellement de travailleurs sacrifiés, invisibles. Les liquidateurs autour des sites de Tchernobyl et Fukushima, tous les travailleurs qui assurent la maintenance, qui nous protègent contre l'accident, jusqu'à quand ? Ce sont les travailleurs extérieurs qui font la maintenance. Parce que la maintenance, c'est ce qui permet, autant que faire se peut, d'éviter l'accident. C'est anticiper sur ce qui se passerait si on laissait l'usure, la corrosion, aller jusqu'au moment où ça pète. Un exemple qui est venu devant les tribunaux et dont on a la décision depuis 3 jours, AZF. Si AZF avait été une centrale nucléaire, on aurait été dans la même situation. Pourquoi ? Parce que l'obsession des donneurs d'ordre, et donc l'obsession des dirigeants de grandes paroisses filiales à 100% de Total, était de faire des économies sur les fonctions considérées comme méprisables. La maintenance, le nettoyage, la gestion des déchets. Qu'est-ce qu'a fait la direction de grandes paroisses quelques mois avant l'accident ? Ils ont remis en cause les marchés de sous-traitance avec les entreprises qui avaient le marché auparavant. Ils ont fait un appel d'offres à la baisse. Des entreprises ont pris le marché et des travailleurs se sont trouvés dans des situations... Soit ils étaient déjà sur le site, mais ils se sont trouvés isolés dans des travaux où on ne devrait jamais être isolé. Ils se sont trouvés coupés des possibilités de s'informer de la chaîne des activités qui menaient à la gestion de ces déchets chimiques. Sur ce site, ils avaient deux productions incompatibles entre elles. La production de produits chlorés, la production d'ammonitrate, qui est un engrais. Vous mettez des produits chlorés avec de l'ammonitrate, ça vous fait une explosion qui a brisé les vitres de la moitié de la ville de Toulouse, fait une 30aine de morts directes et plus de 9000 blessés. Cette gestion-là, elle est le résultat de la sous-traitance, de la gestion des déchets à des travailleurs
auquel aucune information n'avait été donnée sur la dangerosité de ce qu'ils manipulaient. Et le juge, aussi bien à la cour d'appel de Toulouse avant la cassation que la cour d'appel de Paris, relève ça comme les infractions les plus graves. Et dans le nucléaire, on est exactement dans cette situation-là. Donc il faut que nous ayons la volonté de trouver comment briser l'invisibilité des travailleurs. Ça doit être, je dirais que c'est une des préoccupations les plus graves qu'on puisse avoir par rapport au nucléaire actuellement. Et pas seulement sur le plan de la santé, mais aussi sur le plan de la sûreté. Il faut faire la critique de tous les mensonges qui nous sont racontés à longueur de temps sur en dessous de 100 millisieverts, il n'y a pas de cancer. C'est faux. En dessous de millisieverts, il y a des cancers. Et une enquête financée par l'industrie nucléaire, coordonnée par le Centre international de recherche sur le cancer, a montré qu'à moins de 5 millisieverts sur la durée de la vie professionnelle des travailleurs statutaires du nucléaire, on avait 3 à 4 fois plus de cancers que ce qui était attendu à partir du modèle d'Hiroshima-Nagasaki, puisque c'est leur modèle de référence. Il y aurait beaucoup à discuter sur ce modèle. Et là, je vous renvoie également à ce qui est dit sur les cancers de la thyroïde. Il y a eu un dossier scandaleux à l'occasion des 30 ans de la catastrophe de Tchernobyl, un dossier publié par le bulletin épidémiologique hebdomadaire qui émane du ministère de la Santé, enfin de l'Institut de veille sanitaire devenu Santé publique France, qui considère que l'augmentation des atteintes thyroïdiennes serait due à un meilleur dépistage. C'est bien connu, c'est le thermomètre qui vous donne de la température. Cassez les thermomètres, vous n'aurez plus de température et il n'y aura plus d'angine, etc. Avec la CRIRAD, avec Denis Fauconnier, nous avons fait une critique de ce dossier qui était paru dans le BEH. Et malheureusement, pour l'instant, nous n'avons pas encore trouvé, mais on s'y emploie, des journalistes qui mettent ce scandale sur la place publique, puisque ce scandale est en plus doublé du scandale du lévothyrox, puisque les molécules en cas d'atteinte thyroïdienne, il y a un scandale de l'industrie pharmaceutique qui a changé la formulation, qui a entraîné de multiples effets secondaires. Et moi, j'espérais que des journalistes, à cette occasion, feraient la critique de l'interprétation donnée par les pouvoirs publics, avec l'aide, évidemment, de l'IRSN, de l'ASN, etc., et de l'AIEA, de cette interprétation fallacieuse qui consiste à dire « c'est parce qu'on les dépiste mieux ». Et ils savent très bien que non, il y a une augmentation effective qui part de la fin des années 80 et qui est en rapport avec les retombées de Tchernobyl. Un dernier point important du point de vue des luttes, et puis ces quelques pistes, vous en avez certainement d'autres en tête, c'est le procès. Procès civil, procès pénal, c'est-à-dire que à un moment donné, dans la mesure où nous n'arrivons pas au niveau des mobilisations à emporter l'adhésion de façon massive, ces moments que sont les procès, les audiences des procès, mais aussi les décisions, sont un outil politique de contre-pouvoir. Et je crois que il faut qu'on s'interroge à la lumière de ce qui se passe un peu partout. Alors, il y a tout le problème, aussi le problème des mines d'uranium. Il y a le problème du démantèlement sur lequel on a très peu d'informations parce que
Il y a là une omerta extrêmement forte, encore plus forte que par rapport à la sous-traitance et à la maintenance, je veux dire. Et il faut qu'on arrive à travailler avec, et ce sera ma conclusion, des alliances comme celles qu'on a commencé à construire par rapport à l'amiante, par rapport aux pesticides, dans certaines situations aussi par rapport au nucléaire. Je pense à tout le travail qui a été fait sur les conséquences des essais nucléaires. Une alliance entre les mouvements collectifs de mobilisation, qu'ils soient associatifs, qu'ils soient en réseau, qu'ils soient syndicaux, c'est-à-dire ceux qui ont décidé de dire non. Non, on n'acceptera pas que ça continue comme ça. Il va falloir que on rende visible, et pour ça, alliance entre ces mouvements, des scientifiques, des médecins, qui s'impliquent pour lutter. Et je sais qu'au Japon, il y en a, je sais que nous sommes un certain nombre en France, il y en a au Canada, il y en a en Angleterre. Des avocats, parce qu'il nous faut des bons avocats pour travailler sur ces questions-là. Et puis, bien sûr, des journalistes d'investigation qui nous aident à faire savoir. Je terminerai simplement par cet enjeu extrêmement important. Nous avons un droit de savoir qui nous a été confisqué par le lobby nucléaire, qui a été même confisqué dans l'espace scientifique, puisqu'ils se permettent de publier des articles scientifiques sans citer l'ensemble des travaux qui ont pu être faits dès lors que ces travaux vont à l'encontre de leurs mensonges. Nous devons lutter pour le droit de savoir. C'est la pierre angulaire de la fin du nucléaire. Je vous remercie. Bon, merci beaucoup. Peut-être est-ce que vous pouvez remonter sur la scène. Moi, je vais descendre avec ce micro. Vous garderez celui-là. Je vais passer la parole à qui la demande. Je pense qu'on a une chance tout à fait incroyable d'arriver à recouper des données qui d'évidence se recoupent, c'est-à-dire qu'elles ne se contredisent pas, entre un accident et puis la vie courante, hein, parce qu'au fond c'est de ça dont il est question en France. Et je crois que cette stratégie de l'ignorance qui a été traitée dans un autre atelier est à recouper aussi avec ce que soulève Annie. Voilà, donc si quelqu'un veut se lancer. Bonjour. Il y a des données qu'on a tous les ans. Bon, on n'est pas forcément dans le monde des travailleurs du nucléaire, mais l'association des enfants de Tchernobyl, qui est alsacienne, qui accueille des enfants, une centaine d'enfants ukrainiens au mois de juillet, une centaine d'enfants russes au mois d'août. Les enfants russes, moi, je suis famille d'accueil d'un enfant russe, de la ville de Novosibirsk, qui se situe à 200 km au nord de Tchernobyl, qui est autant contaminée que les territoires proches de Tchernobyl. Bon, sur ce, je ne me rappelle plus pour les enfants d'Ukraine, mais pour Novosibirsk, on est en Russie. L'année dernière, on était aux 30 ans du début de la catastrophe de Tchernobyl. Le gouvernement russe a supprimé les aides allouées au territoire, donc aux gens qui habitent la ville de Novosibirsk. Cette année, donc, les taux de césium des enfants sont mesurés toujours quand ils arrivent. Enfin, ils sont mesurés en ce qui concerne les enfants russes. Ils sont mesurés quand ils sont à l'aéroport à Minsk, donc par l'Institut Belgrade, à l'aller et au retour. Cette année, en 2017, alors que l'année dernière, donc, les aides financières ont été supprimées, on a une augmentation énorme du taux de césium dans le corps des enfants. Bon, pour information, il me semble que ces chiffres-là sont donnés donc à l'OMS
au ministère de la Santé en France, à l'ambassade de France en Russie, à l'ambassade de Russie en... Enfin, bref, vice-versa. Voilà. Bon, c'est des éléments qui sont réels, quoi. Alors, j'évoquais effectivement le travail de Belrad parce que et de Nesterenko, et le travail qui a été fait par Yaboklov pour donner des informations sur les conséquences réelles de Tchernobyl, je crois que c'est très très important. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait que le site de l'association des enfants de Tchernobyl en Biélorussie est un des lieux d'information sur ces problèmes-là. Et qu'il faut faire connaître. Je pense aussi à l'ouvrage de Vladimir Tcherkov, le crime de Tchernobyl, le goulag nucléaire, qui donne aussi énormément d'informations. Il y a la supplication. Et puis le livre de Roger et Béla Belbeok, qui étaient des physiciens nucléaires que certains d'entre vous ont connus, qui ont écrit « Tchernobyl, une catastrophe » parce qu'ils étaient confrontés continuellement aux mensonges dans le milieu scientifique et qu'ils ont voulu, à un moment donné, montrer avec un travail très, très poussé à quel point, dès les années 93-94, on savait quelles étaient les conséquences et quelles allaient être les conséquences de Tchernobyl sur les différents aspects d'atteinte par la radioactivité, que je rappelle, pas seulement les cancers, les atteintes au système immunitaire de façon générale, les problèmes de vieillissement précoce, les atteintes à la reproduction. Et tous ces problèmes sont malheureusement niés par les instances officielles, à commencer par l'OMS. Et c'est vraiment contre ça que Independent WHO avait créé la veille qui a duré 10 ans. Oui, je voulais apporter un témoignage et rebondir sur ce qui a été dit. Donc Bruno Charéron de la CRIRAD, par rapport à la question de la formation, de l'information des travailleurs. C'est extrêmement important d'améliorer la formation et l'information des travailleurs eux-mêmes. Je vous donnerai 3 exemples. On a fait des mesures, là, il y a 2 ans, dans une mine d'uranium au Malawi. Il y avait un gardien qui gardait la mine. Il était assis sur une chaise. L'endroit où était sa chaise avait un taux de radiation 10 fois supérieur à ce qu'on mesurait à 30 mètres de sa chaise. Si ce travailleur avait été correctement informé, formé, lui, le travailleur, les services de radioprotection, il lui aurait au moins dit de ne pas laisser sa chaise et de ne pas être assis à l'endroit le plus radioactif de la mine. Deuxième exemple, récemment, dans la zone des Bois Noirs, une ancienne mine d'uranium dans la Loire, on a rencontré une situation d'une maison tellement... C'était il y a 2 ans. Une maison tellement radioactive qu'on détectait la radiation émise par la maison de l'autre côté de la route. C'est parce que dans cette maison habitait un homme qui avait travaillé dans l'ancienne usine d'extraction de l'uranium et il avait ramené chez lui des filtres très contaminés par le radium présent avec l'uranium. Cet homme était mort d'une leucémie. Sa maison appartient maintenant à ses filles. C'est complètement invraisemblable que des travailleurs du nucléaire n'est absolument pas conscience du danger, parce que là, en l'occurrence, il a fait courir ensuite un danger à ses filles. Et le troisième exemple que je voulais... Alors, ça, ces 2 exemples, c'était pour montrer à quel point les travailleurs eux-mêmes ne sont pas correctement informés. Et ça, c'est pas étonnant, parce que les services de radioprotection eux-mêmes ne sont pas correctement informés et sensibilisés. Certains médecins ne sont pas correctement informés et sensibilisés. Parce que tous ces gens ont eu une formation qui, elle-même, est biaisée au départ. C'est-à-dire que c'est l'ensemble de tout le système de formation qu'il faut revoir. Et comme ça, c'est quelque chose à très long terme, à très court terme, ce qu'on peut faire, c'est organiser au moins des sessions
de formation, sensibilisation des travailleurs et des syndicats. Et après, il y a des choses concrètes qui peuvent être mises en place sans trop de moyens financiers. C'est par exemple fournir à certains travailleurs qui n'en ont pas un compteur Gégère ou un dosimètre électronique pour des travailleurs qui n'en ont pas, mettre en place des analyses de radioactivité, par exemple, dans les cheveux, dans les urines, et puis déjà simplement donner des informations. Parce qu'à partir du moment où le travailleur, on lui explique un certain nombre de notions sur les rayons alpha, bêta, gamma, sur les doses, il va améliorer de lui-même sa protection à partir du moment où il aura compris. Donc, vraiment, je pense que c'est important de mettre en place des moyens d'améliorer la formation. Et si vous voulez, si vous avez besoin d'aide technique dans ce domaine, n'hésitez pas à nous solliciter. On ne pourra peut-être certainement pas répondre à tout, mais il y a des choses simples qu'on peut faire. Merci. Oui, je voulais juste dire qu'on va être tenté, bien sûr, de donner des exemples et de penser et de prendre du temps là-dessus. On n'oublie pas qu'on est sur un atelier qui cherche des perspectives. Donc je pense que cette notion de stratégie de l'ignorance qui a été déjà développée ailleurs et qui commence à circuler parmi les militants, on en tient compte, mais que c'est vrai que c'est important, je crois, d'aller du côté de qu'est-ce qu'on va faire maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi, qui est au fond la grande question. Et je serais tenté de relancer, avant bien sûr de repasser la parole, mais puisque vous avez développé de manière extrêmement scientifique votre tableau, je dirais, avec ces moyens dont vous disposez, comment est-ce que vous allez, ou comment est-ce que c'est en train de se faire cette conscientisation du personnel, puisque c'est 20 000 personnes, c'est considérable. まず、今日アニーさんが提案されていたように、労働者の被害問題をもっと可視化するということは非常に重要だと思いますが、それにはその労働者本人が立ち上がって何か行動を起こすということがどうしても必要です。D'abord, comme Annie a dit tout à l'heure, faire savoir le problème de santé des travailleurs, c'est très important. Et en même temps, les travailleurs eux-mêmes, ce qui est important, c'est que les travailleurs eux-mêmes, ils sachent sur leurs problèmes de santé et décider à faire quelque chose eux-mêmes. その時に、私たちは一番苦労しているのはそこで、労働者の多くは自分が問題を告発したり、あるいは不調がその仕事のせいであるというふうに言うことは、それで仕事を干されたり、仲間から関係が悪くなったりして、多くの労働者はそのように声を上げることを躊躇します。Mais on connaît très bien que beaucoup de travailleurs ne veulent pas accuser les patrons, ne veulent pas accuser les compagnies parce qu'ils ne veulent pas perdre leur travail. Et s'ils accusent le patron, peut-être les conditions de travail, ça se dégrade. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas, contester. De そういう労働者に、いわゆる教育要するに知識のように伝えたところで、それは本人が立ち上がる力にはなかなかなりません。Je pense que l'information scientifique, même si l'information scientifique n'encourage pas ces travailleurs de revendiquer leurs droits, parce que la raison c'est pas leur méconnaissance de la situation.私たちが大切だと考えているのは、その労働者が今どんな困難を抱えているか、不安を抱えているか、それは例えば賃金に対する不満かもしれません。
そうではなくて生活上の不安かもしれないし、家族から離れた寂しさかもしれない。ただそういう本人が抱えた一番本人が問題になっていることにまず取り組むということが必要だろうというふうに思います。その中で実際に彼が働いている環境というのはこういう問題があるというようなことを一緒に取り組んでいくということがなければ、例えば講習会のようなものをやって労働者を集めようと思っても決してそれは集まりません。ですからまずその労働者に寄り添うということを僕たちは大切だというふうに考えています。Ce que nous voulons faire avec les travailleurs, c'est d'abord comprendre leurs problèmes. C'est parfois le problème de salaire, parfois c'est la peur de perte de travail, et sinon ils s'inquiètent de leur famille qui habite très loin d'eux. Donc je pense d'abord ce que nous devons faire, c'est comprendre. Le comprendre ce que les travailleurs ont, ce que les travailleurs pensent, qu'est-ce que c'est leur problème. Et parce que même si on fait une conférence, même si on fait une réunion pour donner les informations, ils ne viennent pas pour résoudre le problème. Ne pense qu'il faut d'abord mettre vraiment à côté des travailleurs. Alors, moi, j'ai une suggestion par rapport au fait qu'actuellement, il y a un travailleur japonais qui a engagé une poursuite. Et il me semble qu'un des actes de solidarité qu'on pourrait faire serait qu'il y a une solidarité internationale autour de ce procès, qu'éventuellement même des délégations de militants d'autres pays soient présents à l'audience et que de toute façon il y ait des relais pour donner de l'information sur ce procès qui, de mon point de vue, est très très important. ぜひその荒川さんのことをやってほしいんですけど、さっきのちょっと続きのことで、労働者、少なくとも日本においては原発で仕事をする労働者にはそれぞれやっぱり原発で働かなきゃいけない事情があります。そして、決して環境のいい労働環境ではないので、必ず何がしかの問題や不安を抱えています。問題や不満を抱えています。J'ajoute un petit peu ce que j'ai parlé tout à l'heure. Les travailleurs, pourquoi ils travaillent dans des centrales nucléaires ? Parce que chacun a leur raison de travailler. Et comme le lieu de travail n'est pas dans une situation bonne, tous les travailleurs ont certains problèmes et certaines peurs. ですから、私たちが最初に労働者と関わる時のきっかけはほとんどが賃金の問題や雇用の問題です。でしかしその問題で相談を受けて葬儀をしていく中で、実はその彼は健康上のさまざまな問題や違法な状態に置かれているということが大体の場合でそこから出てきます。D'abord, on prend les contacts avec les travailleurs. Et premier contact, c'est soit problème de salaire, et problème de salaire et problème de l'emploi. Et d'abord, c'est ce qu'il parle à la permanence. Mais petit à petit, on découvre qu'il a aussi le problème de santé. Et il y a aussi, il est victime d'un acte illégal des patrons. Donc ça vient comme ça, petit à petit. その中で、例えば、全面マスクを外するのは非常に危険なんであるということや、本来は鉛ベストをつけて仕事をしなきゃいけないところなのにしてない安全性の問題とか、そういう問題はその本人のさまざまな困難の話をする中で伝えることによって、その信頼関係の中で初めてこちらのメッセージが伝わるようになります。
si le travail dans une situation dangereuse, d'abord, on pense qu'il faut, créer le lien très fort pour que les travailleurs aient une confiance aux militants qui se tiennent. Sinon, eux, ils ne pensent pas à faire les mouvements avec une... あ本当まあまあ最後最後、なので、僕たちは、そのドクターや、物理の先生のように、教えるのではなくてまず労働者と寄り添って対話をして そういう関係を具体的に積み重ねることが我々なりの、労働者とのへの、まあ、教育だろうというふうに考えています。La formation que nous allons faire, c'est pas comme nous sommes pas comme les enseignants de l'école. Donc nous voulons d'abord créer le lien très fort avec les travailleurs. Et après, je pense on peut avancer les choses pour faire connaître l'information, pour faire la... Ça va? Bon, je peux parler. Je voudrais poser trois questions à Nasubi-san. Je vais parler d'abord en français et puis je dirai en japonais la question. La première question consiste à savoir les recensements de doses que les travailleurs liquidateurs de Fukushima Daiichi reçoivent. Est-ce que toutes les données sont publiées ou bien qui est comment, le responsable de cette gestion de doses reçues par les travailleurs nucléaires? Est-ce que c'est un ministère de la Santé ou est-ce que c'est le ministère de l'Environnement ou est-ce que c'est TEPCO lui-même? Et deuxième question, c'est votre association a proposé d'un carnet de santé, et, disons un carnet de route pour les liquidateurs, qui porterait et, tout au long de sa carrière. Et cette proposition, où on en est actuellement, est-ce que ça a apporté quelque chose d'intéressant auprès de travailleurs liquidateurs? Troisième question. Récemment, j'ai entendu parler qu'il y a un Bengalais en situation irrégulière en tant que réfugié clandestin au Japon. Il a été proposé par un réseau de mafia de travailler Fukushima Daiichi. Et alors, l'agent de recrutement lui a dit, si vous travaillez à Fukuichi, vous aurez une possibilité d'avoir l'autorisation de séjour officielle. Donc, il a accepté de travailler à Fukushima Daiichi, mais finalement, il a été abandonné. Est-ce que Nasubi-san, il est au courant de cette affaire? Si vous avez des informations, j'aimerais bien savoir la finalité de cette affaire. Et si c'est possible, sans vexer personne, d'essayer de faire des réponses le plus précis et court possible. まず一つ目の、被曝量を誰が測定したかですけれども、これは雇用業者が測ったものを東京電力が集約した数字です。でただ事故直後は全員に線量計が渡っていなかったので、空間線量から推定した数とかそういう形でかなりいい加減な数であることは間違いないです。La dose a été calculée d'abord par les entreprises qui emploient les travailleurs et les données ont été transmises à TEPCO. Mais juste après l'accident,
tous les travailleurs n'ont pas porté le badge. Donc il y en a l'estimation. La dose n'est pas vraiment calculée, ça a été estimé. 2つ目の手帳のことですが、これは僕たちは国が責任を持って労働者の占領管理をして、そして健康に対するサポートを、それから生涯にわたる保障を国が責任を持ってすべきだと思っているので、民間業者にやらせるべきではなく、国がやるべきというふうに僕たちは思っています。La carne, maintenant, c'est une association privée qui contrôle la santé des travailleurs. Mais nous, notre revendication, c'est le contrôle unique par l'État d'un travailleur nucléaire durant toute sa vie. C'est notre revendication.3つ目の非正規の外国人労働者のことですが、そのバングラデシュの方のことを含めて話としては聞いていますが、僕たちのところに相談に来たわけではないので、ちょっとそれ以上は分からないです。で、あと、どこだっけ、ペルーで、福島第一の労働者の募集が向こうで公的にされていたということも情報としては入っています。それから、あとは、外国人労働者が、これは、除染労働なんですけれども、外国人労働者の、不払いの葬儀を一つ、僕たちのすぐ近くの仲間がやっていて、そしてその人は日系ペルー人だったんですけれども、日本語が喋れないので、ちゃんと放射線教育はしたのかということが裁判に問題になったときに、元請けがスペイン語の教育テキストを出してきました。それくらい外国人労働者がこの原発事故をめぐっての労働に入っているということは、私たちは知っています。Le cas de Bangladesh que vous avez parlé, moi j'ai entendu, mais comme il n'est pas venu à notre permanence, je ne connais pas le détail. Mais concernant les travailleurs étrangers, c'est vrai que on a entendu au Pérou, on a fait un recrutement des Péruviens pour travailler à Fukushima Daiichi. Ça, on connaît, ça existe. Et l'autre chose, un copain de notre association, ils lui font justement le procès contre le patron qui n'ont pas payé les salaires d'un Péruvien d'origine japonaise. Et dans ce procès, on a parlé de la formation. Est-ce que ça a été, ils ont été bien formés ou pas? Et le patron a montré le texte, le brochure de la formation écrit en espagnol. Donc ça veut dire ils ont la brochure, ça veut dire en espagnol, ça veut dire ils recrutent beaucoup de travailleurs étrangers. Oui, je voudrais, parce que là pour l'instant on est encore de nouveau en train de séparer les travailleurs d'un côté et la société civile de l'autre. Et je crois que j'aimerais reprendre en tout cas un point très important de ce qu'a dit Annie, c'est-à-dire que les travailleurs et nous, on est en danger, sous couvert à la fois de dissimulation, mais aussi d'économie. À la fois sous couvert d'économie, c'est-à-dire ça explique la sous-traitance, et en même temps d'invisibilisation, je veux dire, des conséquences du nucléaire à la fois pour les travailleurs et pour les civils. Et donc, je pense qu'il y a deux raisons à ça. Et j'aimerais quand même qu'on revienne là-dessus, parce que je pense qu'on a une responsabilité toutes partagées à ce point de vue. Et j'en ai encore eu la preuve ce matin dans un atelier, je veux dire, qui était un cours magistral de physique nucléaire. La première chose, c'est qu'effectivement, on n'est pas là pour effectivement contester et suivre un cours de physique nucléaire pour savoir comment ça fonctionne, le nucléaire. Maintenant, on le sait, c'est dangereux. Donc ça serait peut-être bien quand même qu'on s'arrête là. Et à avoir voulu, je veux dire, montrer et légitimer des scientifiques indépendants par rapport à des scientifiques qui seraient pourris, entre guillemets, je veux dire, on a perdu beaucoup d'années. Donc ça, on a sorti un discours qui était complètement incompréhensible à la fois pour les citoyens et pour les travailleurs.
C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le deuxième point, c'est quand on a une revendication, je veux dire, assez abrupte d'arrêt du nucléaire, on ne prend pas en compte qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'emploi pour les travailleurs du nucléaire. Alors moi, j'ai un exemple quand même assez précis, que tu connais bien, Annie, évidemment. Ça a été le comité amiante à Jussieu. Parce que, en fait, aussi bien les gens qui travaillaient à Jussieu que les travailleurs qui devaient désamianter la tour, ils étaient dans la même gonfle, je dirais. Donc, on a des intérêts communs. Et je pense que tant qu'on aura un discours abscon, je veux dire, qui consiste à démontrer par A, X et Y, je veux dire qu'en fait, les scientifiques font vraiment des conneries, quoi, et qui nous racontent des bobards, on ne pourra pas être compris ni par les citoyens, ni par les travailleurs. Donc, je pense qu'il est temps qu'on ait un discours un peu clair sur les intérêts et l'interdépendance qui existent entre les travailleurs sous-traitants ou pas d'ailleurs, mais c'est surtout les sous-traitants qui morflent, et les citoyens qui habitent sur cette terre. Voilà ce que j'avais envie de dire. Annie. Alors, évidemment, je suis d'accord avec ça, et je voudrais prendre un exemple qui, il y a quelques années, un conflit très dur à Cruas, impliquant des sous-traitants du nucléaire dans une qui était d'une société de nettoyage, et le donneur d'ordre EDF avait décidé de changer, de passer le marché à une autre entreprise qui mettait en cause effectivement l'emploi de ses salariés et remettait en cause aussi les conditions de travail, parce que certains pouvaient rester, mais réduction d'effectifs, enfin on connaît le processus. Et ce qui a été extrêmement intéressant, c'est qu'il y a eu en fait une occupation à l'extérieur de la centrale, parce qu'évidemment il n'était pas question d'occuper la centrale, enfin pour les sous-traitants, et il y a eu mobilisation des riverains. Il y a même des parlementaires qui sont venus et des élus locaux qui sont venus soutenir la lutte. Et je crois que là aussi, ça part de mieux comprendre les situations pour arriver à reconstruire des solidarités. Et reconstruire des solidarités, c'est pas seulement à l'interne du travail, mais c'est là, il y avait des enjeux. Et je pense que le message, les syndicalistes sous-traitants qui étaient les leaders dans cette lutte-là ont eu une très grande qualité de message vis-à-vis des riverains en disant « on veut nous forcer à faire un travail dégradé qui met aussi en cause la sûreté des installations ». Et je crois que, en fait, je prends cet exemple-là parce que à travers ce que tu dis, ça me vient spontanément, mais il me semble qu'on devrait pouvoir beaucoup plus souvent avoir ce type de raisonnement. Alors, il y a une chose aussi sur laquelle ce que tu dis m'y fait penser, c'est le fait que le discours sur l'emploi est un discours faux, là aussi. Hein. C'est-à-dire que si on regarde l'histoire de l'amiante, maintenant on a 20 ans de recul par rapport à l'interdiction. Non seulement l'interdiction de l'amiante n'a pas détruit d'emplois, si ce n'est les emplois que les industriels avaient décidé de détruire avant l'interdiction. Mais ça a plutôt créé de l'emploi parce que le désamiantage, ils ont été obligés de faire des chantiers, évidemment, complètement différents de ce qui se serait passé. Et alors, le cynisme n'a jamais de limite. Les plus grands floqueurs d'amiante sont devenus les plus grands défloqueurs d'amiante. Et donc, Vanair Isofi, pour ne pas les nommer, ils ont perdu aucun emploi, ils en ont plutôt gagné. Ils ont gagné énormément d'argent avec le désamiantage. Un petit point. Normalement, on devrait s'arrêter dans 5 minutes. Il y a 3 quarts d'heure de pause. Donc, je propose qu'on prenne un quart d'heure sur les 3 quarts d'heure de pause. Hein, donc, on a encore 20 minutes devant nous. Oui, moi je voulais totalement approuver ce que venait de dire Annie maintenant et qui relayait ce que Françoise, hein, c'est ça, d'accord. Moi je pense que
comme dit notre ami japonais, les travailleurs ne seront jamais mieux défendus que par eux-mêmes, mais si on les aide un peu, ce serait quand même mieux. Et qu'il faut arriver dans le mouvement antinucléaire français, et en plus mondial, si on peut le faire, arriver à organiser un soutien collectif qui soit d'aide peut-être financière, parce qu'on peut faire des collectes ciblées sur ces thèmes-là de soutien. Je crois dans le réseau Sortir Nucléaire là, que je représente, on a pu aider ponctuellement certains travailleurs du nucléaire, je pense à Michel Leclerc, mais des gens qui se sont battus individuellement à des combats fantastiques mais épuisants pour récupérer leur dossier individuel, pour aller le voler à la médecine du travail, pour aller faire des procès, etc. Je pense qu'il faudrait passer à un niveau supérieur pour dépasser ces combats individuels de personnalités qui s'épuisent de ce combat, et aussi développer les combats juridiques, parce que ça, c'est un moyen de rendre visible effectivement le problème des travailleurs du nucléaire, et avec des moyens de communication qui peuvent être comme ça, essayer de le faire pour les malades de la thyroïde avec la BD qui a paru il y a un an à peu près. Bon, c'est un moyen ça aussi de rendre visible ce combat-là. Peut-être je passe tout de suite la parole à quelqu'un d'autre, madame. Alors, moi, j'ai entendu dire au Forum social de cet été à Toulouse, par une association, Sherpa, qui est une association de juristes qui s'occupe, en gros, d'attaquer les multinationales, les banques, etc., sans se faire massacrer, ce qui n'est pas évident, qui a quand même une loi qui a été votée le 31 février 2017, qui s'appelle « Loi de devoir de vigilance de l'entreprise mère ». À partir du moment où une entreprise a plus de 5000 salariés, filiales comprises, elle est tenue responsable de ce qui arrive à ses employés, même les employés de sous-traitance. Et cette loi, donc c'est une loi de responsabilité sociétale des entreprises, elle a été appelée la loi Rana Plaza, du nom du bâtiment qui s'est écroulé au Bangladesh sur les ouvriers du textile, et où à l'époque, les employeurs d'origine qui vendaient leurs vêtements en France ou ailleurs, on dit, ah ben, on est vraiment désolé, mais c'est pas nous, c'est les sous-traitants. Et donc maintenant, il y a quand même une loi qui peut être utilisée. Et si, par exemple, en allant au Japon, il y a des Français qui viennent et qui disent, ben, écoutez, en France, on a réussi à faire passer une loi, ça peut peser aussi un petit peu. Enfin bon, c'est une supposition. Oui, bonjour, je fais partie du groupe antinucléaire Yosomono et je suis par ailleurs traductrice de japonais en français. Je trouve que ce qui se dit en ce moment sur les moyens d'aider juridiquement les personnes qui portent plainte au Japon, ça me semble quelque chose de très concret et de très intéressant. En revanche, ce sur quoi je voudrais insister, les informations maintenant, on les a. Enfin, je veux dire, la question clé est de savoir comment les transmettre. Et d'autre part, je pense que dans le cas de la population japonaise touchée par la catastrophe de Fukushima, il faut prendre en compte un facteur psychologique qui est aussi un facteur sociétal, si j'ose dire. Je m'explique. Ruth Benedict, une anthropologue américaine, avait dit que le Japon, c'était la culture de la honte. Je pense que le gouvernement japonais joue à fond sur cette culture de la honte. C'est-à-dire que non seulement en n'indemnisant pas les travailleurs, en n'indemnisant pas les populations civiles, en niant la réalité du danger du nucléaire, on place tous ces gens-là dans une situation d'indignité. Je pense que c'est vrai pour les travailleurs de sous-traitants, qui, eux, considèrent à juste titre qu'on les a utilisés et jetés comme du matériel. Mais c'est vrai des populations civiles, quand on voit l'ostracisme qui est fait vis-à-vis des familles, que les familles n'osent pas
dire que leurs enfants souffrent. Parce que dans une société comme la société japonaise, c'était vrai après Hiroshima et Nagasaki, dire qu'on a été irradié par le bombardement atomique, ça veut dire ne pas pouvoir se marier, éventuellement ne pas pouvoir mettre d'enfants au monde, ne pas pouvoir trouver du travail. Et c'est vrai pour Fukushima. Donc, moi, la question que je pose, c'est comment faire, nous, qui sommes en dehors de cette société, mais qui nous sentons solidaires de ces gens-là, comment faire, comment trouver des actions pour aider ces gens qui sont des victimes à retrouver leur dignité en tant que personne, c'est-à-dire à souligner l'indignité du gouvernement japonais. Alors, je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'il est important d'inclure ce facteur psychologique très spécifique à la société japonaise dans notre réflexion. Je vous remercie. Bon, peut-être on continue encore. Le temps du trajet, je me rappelle que le début du livre de Svetlana Alexievitch, La Supplication, commence par cette réflexion qu'on sait tout sur Tchernobyl. C'était il y a 20 ans. Donc elle ne parlait pas de cette problématique qu'il faut faire de l'information. Elle dit on l'a l'information. Et le fait est, les gens, quand on dit Tchernobyl, tout le monde, voilà, il aura des choses à dire. Bon, donc c'est bien à un autre niveau qu'il faut intervenir. Je ne sais pas quel est l'autre, hein, puisque Svetlana Alexievitch elle-même dit c'est l'énigme à résoudre pour le 21e siècle. Hein, c'est comme ça que le livre démarre. Donc on est dedans, on est en train de résoudre l'énigme, mais il y en a pour un siècle. Il faut espérer qu'il n'y en ait pas pour un siècle, justement. Non, moi, je voulais revenir sur les pistes d'action évoquées par Annie, justement, pour aussi décloisonner au niveau de ce qu'on fait chez nous, notamment entre le civil et le militaire, puisque, bon, sur c'est ce qui peut être paradoxal, mais sur les victimes des essais nucléaires, ont été obtenues des avancées assez notables ces dernières années, bon, il n'y a pas très très longtemps, mais qui sont en avance, j'ai envie de dire, au niveau de, en tout cas du principe posé par la loi par rapport à ce que ont les travailleurs du nucléaire civil. Et donc il faudrait arriver vraiment à voir comment on peut utiliser les avancées des uns par rapport aux autres, notamment sur la liste des maladies, tu évoquais sur l'île Longue, où les travailleurs portant dans une usine liée au militaire avec un myélome n'est pas reconnu, alors que les victimes des essais nucléaires, le myélome, est reconnu dans la liste des maladies qui permet la reconnaissance. Donc là, il y a vraiment des choses à faire, des campagnes à mener ensemble, avec toutes les difficultés, je sais, pour mener des campagnes ensemble. Mais il y a vraiment quelque chose à réfléchir si on veut avancer collectivement sur ces questions-là du nucléaire. Ce que je propose par rapport à la tribune, c'est qu'on prenne encore une ou deux paroles et puis que vous fassiez chacun, non pas une conclusion, mais une dernière intervention. Madame. Bonjour, je voulais qu'on parle, en fait, récemment, c'est la disparition programmée des CHSCT ici en France par rapport à la loi travail. Est-ce qu'il y aura une incidence ? Ça me paraît important d'en parler parce que là, on parle de loi de devoir de vigilance de l'entreprise. Mais enfin, je sais que les gens qui sont dans des sous-traitants sont plutôt désarmés, souvent que le CHSCT ne prend en compte que les employés de l'entreprise mère. Mais quand même, c'est préoccupant et ça augure mal de l'avenir. Et puis, je voulais dire aussi qu'il y a aussi ce qu'on appelle les seuils qui sont définis par les autorités. Vous parliez d'invisibilité, mais aussi c'était le fait qu'à chaque fois qu'il y a des risques potentiels plus grands, les autorités vont relever les seuils en disant, ben, finalement, avec ce seuil-là, c'est pas dangereux. Donc ça aussi, je trouve que c'est important. Voilà, une dernière prise de parole. Tu voulais revenir dessus, c'est ça ? Ou je me suis trompé ? Tu voulais reprendre ? Ah, pardon. En juste, par rapport, bon, ça a été un peu dit, mais quand on parle de formation, il ne faut quand même pas oublier pourquoi est-ce que dans le nucléaire, on fait de la sous-traitance ?
c'est d'abord pour économiser sur tout. Donc évidemment, on ne va pas parler de formation. Quand au Japon, des gens qui étaient intérimaires, enfin qui étaient précaires dans le bâtiment se retrouvent précaires dans le nucléaire, vous n'imaginez pas que les boîtes vont leur donner des formations. Ce n'est pas le but. Et c'est en se battant contre... On n'arrivera jamais à imposer. Il n'y a pas de présence syndicale réelle dans chez les plus précaires. On n'arrivera jamais à changer les choses qu'en se battant contre la sous-traitance au niveau législatif, parce qu'on n'arrivera pas à faire que dans les boîtes où il y a la sous-traitance en cascade, que tout en bas, il y ait des vraies formations pour les salariés qui vont aller sur le terrain. Quoi. Donc c'est toujours, on revient toujours au truc de la sous-traitance, parce que la formation passe par la fin de cette merde de sous-traitance en cascade. Quoi. Bien, bah merci. Alors, la tribune conclut ou reprend la parole, et puis on s'arrêtera après. Annie. Alors, je ne vais évidemment pas répondre sur tout et surtout pas... Moi, dans les interventions concernant la question de la connaissance et de la formation, je dirais qu'il faut lutter contre la désinformation et pas dans une espèce d'escalade entre... comme tu disais, Françoise, entre physiciens nucléaires sophistiqués, mais lutter pied à pied, par exemple, l'histoire des normes à géométrie variable. Il faut savoir qu'il n'y a pas de dose en dessous de laquelle il n'y ait pas de danger, il n'y ait pas de dégâts. C'est tout. Et point. Et je dirais que nous, les militants, il faut qu'à longueur de débat, on le dise ça. Parce que moi, je vais vous raconter brièvement comment a été construite la première norme sur le radium à l'époque du projet Manhattan, donc aux États-Unis dans les années 40. C'est un médecin qui avait travaillé avec... pour ceux qui connaissent l'histoire des Radium Girls, ces ouvrières qui faisaient de la peinture au radium pour les montres luminescentes. Elles avaient des pinceaux et pour affiner le pinceau, elles trempaient dans le radium et ensuite elles mettaient dans la bouche. Le résultat, c'est qu'elles ont été atteintes très rapidement de nécrose osseuse et elles se sont bagarrées pour obtenir la reconnaissance en maladie professionnelle dans les situations des États-Unis dans les années 30. Et il y a quelques médecins qui s'étaient intéressés à cette histoire-là, dont un, Evans, qui se fait à ce moment-là solliciter par les autorités du projet Manhattan, qui lui dit « Vous nous trouvez la norme, une norme pour le radium, ou autrement, vous partez sur le front. » Alors évidemment, il n'a pas hésité deux minutes à se retrancher derrière cette histoire de normes. Et il a réuni quelques personnes qui connaissaient absolument rien au radium. Et il leur a dit, si vous êtes d'accord, je vais vous proposer une norme pour le radium qui serait celle avec laquelle on serait à peu près à l'aise si nos femmes et nos filles étaient exposées à ce niveau-là. Et c'était, je ne sais même plus le niveau... je l'ai raconté là-dedans, mais ça veut dire qu'il n'y avait rien de scientifique dans ces normes. Et ensuite, tout ce qui est valeur limite d'exposition pour les cancérogènes de façon générale et les normes de radioactivité en particulier, ce sont des mauvais compromis où on accepte, où une société accepte qu'il y ait des victimes parce qu'on accepte qu'il y ait la radioactivité. C'est tout. Donc, il faut appeler un chat et un chat et, sur ce débat-là, arrêter d'être dans ce pinaillage infernal entre 5 millisieverts, 10, 15. À partir du moment où on relève les taux, les normes, on sait qu'on fait plus de victimes. C'est tout. Alors... le décloisonnement civil et militaire, je voudrais revenir à la question du tableau des maladies professionnelles, tableau numéro 6, que nous n'arrivons pas à faire modifier. J'ai fait un travail dans la poursuite de la réunion qu'on avait eue avec Bruno et toi sur ce sujet. Je me suis heurtée
au scepticisme, pour pas dire plus, des syndicalistes qui m'ont dit ils sont tellement armés actuellement au niveau du patronat contre une modification du tableau 6 que si on essaye de changer quelque chose, ils vont en plus nous imposer des normes d'exposition. C'est-à-dire qu'il faudra avoir été exposé à plus de 20, 30, 40 millisieverts, je ne sais pas combien, pour pouvoir obtenir la reconnaissance. Or, pour les quelques cancers qui sont inscrits, au moins, on n'a pas ce problème. Donc, la discussion continue. Je dirais qu'avec le travail qui s'amorce à Avignon, j'espère qu'on va aussi engranger peut-être des décisions de justice qui nous aideront à faire évoluer cette question-là. Mais je peux dire que ça fait vraiment partie des combats sur lesquels je suis. Les CHSCT, vous avez parfaitement raison, c'est un problème monumental. Et malheureusement, il n'y a pas eu la mobilisation qu'on voudrait par rapport au fait qu'on est en présence d'une volonté délibérée de détruire l'instance spécifique qui, jusqu'à présent, était en quelque sorte garante quand même d'un certain nombre d'actions possibles de contre-pouvoir dans l'entreprise sur la santé et la sécurité. Et je peux dire que la décision concernant AZF le 31 octobre 2017, condamnant le PDG Bichelin de la société Grande Paroisse et la société Grande Paroisse au pénal, donc avec une peine de prison avec sursis plus une très forte amende, ça n'aurait pas pu être obtenu s'il n'y avait pas eu une expertise de CHSCT très très précise, ayant permis de reconstituer les faits. Donc, tout à fait d'accord, et je pense que pour le nucléaire en particulier, ça peut devenir dramatique que les CHSCT disparaissent, comme pour le reste.今日は貴重な時間いただいてありがとうございます。それとアニーさんとそれから会場の方から今後の連帯の取り組みで荒川さんの支援を提案されたことについて非常に感謝したいと思います。 Je vous remercie. Je suis très reconnaissante d'être ici avec vous et discuter avec vous. Et particulièrement, il y en a qui ont proposé la solidarité avec le travailleur qui fait le procès. 実際我々は国を超えた声が東京電力や日本の政府を動かす力になりうるというふうに思っています。 Je pense que le message qui vient de l'extérieur, surtout le message qui vient des pays étrangers, ça peut bouger la TEPCO et le gouvernement japonais. 実は具体的な皆さんに要請する準備というのを何も作ってきてないんですが、ただ私が今日のディスカッションの中で思ったのは、これから私が今日皆さんにお配りしたこの資料、 今日の私の話のエッセンスですが、これの最後のところにですね、我々の団体のURLが書いてあります。で、そこに英語ないしフランス語で国際的なメッセージのサイトを作りたいというふうに今思っています。みんないいですかね。 Mais pour la solidarité internationale, en fait, je n'avais aucune idée. Mais ce qui m'est arrivé maintenant, en discutant avec vous, nous voulons bien avoir le message, soit en anglais, soit en français, que vous allez écrire dans notre site d'Internet, ce qui est marqué dans le tract qu'on a distribué, c'est tout en bas. Mais c'est moi qui ai décidé maintenant, donc je ne sais pas, les copains sont d'accord ou pas, mais peut-être oui. Et donc, si vous pouvez nous envoyer les messages, ça sera très. Ça encourage beaucoup. そこに我々の取り組みの情報を出したり、そして皆さんからのメッセージを求めるような
形を作りたいと思います。でそれは必ず我々の裁判の力になりますし、同時に皆さんが自分たちの取り組みの場でこの荒株さんの裁判をネタに労働者に対する取り組みをぜひしていただければと思います。Et dans notre site, nous allons vous informer ce que nous faisons sur notre activité. Nous allons mettre dans notre site et nous voulons que le cas de procès de travailleurs puisse informer les autres activités et si ça peut être utilisé dans d'autres procès partout dans le monde, ça sera très très utile, je pense.ですからこのような動きが東京に集約されるのではなくて世界中でさざ波のように広がることを期待しています。Je voudrais que notre activité ne se limite pas simplement à Tokyo, mais ça se développe comme une vague qui dépasse les frontières. もう一つは情報の共有のお話がありましたけれども、我々今国際調査をしていて様々なデータを集めつつあります。Comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait un projet des échanges des conditions de travail des sous-traitants dans le monde. それは各国の法整備の状況や労働実態についてです。で、それをみんなが共有して見れるようなアーカイブにいずれはしたいと考えています。Donc, nous faisons maintenant la recherche sur les conditions de travail des différents pays. Et là aussi, nous allons mettre les informations sur notre site internet et pour que tout le monde puisse faire les échanges sur les conditions des travailleurs. ただ私たちも今年から始めたばかりなので圧倒的に情報が少ないので、ぜひ皆さんのお持ちの情報があればここのメールアドレスまでお送りいただけるとありがたいです。Nous venons de commencer. On n'a pas suffisamment d'informations à mettre sur le site. Donc, parmi vous, vous avez peut-être beaucoup plus d'informations que nous. Donc, si vous pourriez contribuer à mettre à enrichir le contenu, le site, ça sera très, très reconnaissant. On va peut-être s'arrêter bientôt. その荒株さんの支援をするためのこの T シャツとバッジを持ってきましたので、ぜひ買っていただいてお持ち帰りいただいて今後の取り組みに使っていただけると本当にありがたいです。今日はどうもありがとうございました。Pour finir, si vous venez avec les t-shirts et les badges pour soutenir le procès de travailleurs, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter ces t-shirts et les badges. Merci beaucoup. Bien, bravo. L'année dernière, au Forum social mondial de Montréal, les associations rassemblées dans le forum s'étaient portées solidaires de l'occupation du bois, moi je dis de Bure parce que voilà. Je pense qu'on pourrait, sous cette formule, trouver pour demain une manière d'être très clair sur la solidarité des associations rassemblées au troisième forum. Juste pas de choix maintenant, on arrête à moins de vouloir payer quelques grosses multinationales. Ça ne sert plus à rien. Ça coûte trop cher, c'est dangereux et militairement c'est inutile. Donc maintenant la seule décision pragmatique, c'est on arrête le nucléaire au plus tôt.